Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous emmène assister à la fin de la monarchie française et des événements tragiques de la Révolution française à travers Marie-Thérèse de France, appelée plus communément Madame Royale. Seule survivante de la famille royale, elle va voir son destin changer brutalement. C'est parti! Marie-Thérèse Charlotte de France naît le 19 décembre 1778 au château de Versailles. Elle est le premier enfant de Louis XVI, roi de France et de Navarre, et de Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, princesse impériale de Hongrie et reine de France. Bien que ce premier enfant soit une fille, le couple royal est ravi d'accueillir cet enfant qui était attendu depuis leur mariage, 8 ans plus tôt. Marie-Thérèse est baptisée le jour même et sa marraine n'est autre que sa grand-mère maternelle, Marie-Thérèse d'Autriche, impératrice du Saint-Empire germanique, à qui elle doit son prénom. À sa naissance, elle reçoit le titre de fille de France et est surnommée Madame Royale à Versailles pour la distinguer de l'autre Madame de la Cour, Marie-Joséphine Louise-Bénédicte de Savoie, comtesse de Provence et belle-sœur du roi. Mais sa mère l'appelle affectueusement Mousseline la Sérieuse. La petite fille est logée dans l'aile des princes et à peine née, elle a déjà pas moins de 20 personnes à son service, le tout géré par Victoire Armande de Soubise, princesse de Guéménée et gouvernante des enfants de France. La petite Marie-Thérèse est douée pour la lecture, elle a une excellente mémoire. Dans son éducation, elle a une préférence pour les arts, mais fait preuve d'implication dans tous les domaines qui lui sont enseignés. Marie-Thérèse grandit avec la conscience de son rang privilégié. Elle développe alors un caractère bien trempé. C'est une petite fille au visage d'ange, mais très orgueilleuse et susceptible. Ses caprices et crises extraordinaires amusent la cour. Sa mère, quant à elle, s'inquiète pour l'avenir de sa fille avec un tel caractère. La relation entre la petite fille et sa mère est houleuse. En effet, Marie-Thérèse sait qu'elle est une princesse et qu'elle peut obtenir tout ce qui lui fait envie. Mais sa mère souhaite lui apprendre la modestie et tient à cadrer et limiter ses caprices, contrairement à son père qui cède à toutes ses demandes. La petite fille ira jusqu'à dire à un abbé, à l'occasion d'une chute de cheval de sa mère qui aurait pu lui être mortelle, que la mort de sa mère lui serait égale. Ainsi, elle aurait le champ libre pour faire tout ce qui lui plaît. Mais toutefois, elle ne supportait pas que sa mère s'éloigne d'elle. Marie-Thérèse voit par la suite arriver ses frères et sœurs, le premier dauphin, Louis-Joseph, qui naît en 1781 et qui meurt en 1789, de santé fragile, juste avant les événements de la Révolution française. Le second dauphin, Louis-Charles, qui naît en 1785 et qui meurt en 1795, il reste à jamais pour l'histoire l'enfant du temple. Et enfin, sa sœur cadette, Sophie, née en 1786. Elle meurt moins d'un an plus tard de la mort subite du nourrisson lors d'une promenade en landau dans les jardins du château de Versailles. L'année suivant la naissance de Louis-Joseph, Marie-Antoinette renvoie la gouvernante des enfants de France et souhaite se charger elle-même de l'éducation de ses enfants. C'est la duchesse de Polignac, amie de la reine, qui sera chargée de veiller sur ses enfants en son absence. Pour adoucir le caractère de la jeune effrontée, sa mère lui adjoint une dame de compagnie du même âge, Marie-Philippine Lambriquet, la fille d'une femme de chambre de Marie-Antoinette qui est décédée. Sa mère souhaite lui faire comprendre la chance de sa condition en côtoyant une fille du peuple. Et cela fonctionne. Marie-Thérèse s'adoucit un peu et prend en affection Marie-Philippine qu'elle rebaptise Ernestine. La petite fille du peuple aura le même train de vie que la princesse et l'étiquette est abolie entre les deux amies pour faciliter leur lien. En 1789, Marie-Thérèse vient à peine d'avoir 10 ans. Insouciante et heureuse, elle va connaître avec sa famille des années de tragédie. À cette époque, le royaume de France est au bord de l'explosion. Le roi, persuadé de son pouvoir divin, n'accorde des privilèges et des postes d'importance qu'aux gens de la noblesse qui n'agissent pas pour le bien public, mais pour leurs propres intérêts. Ce qui accentue ce régime autoritaire où seuls les nobles et le clergé dominent les richesses. De plus, le statut de Louis XVI, qui a bien moins de charisme et d'autorité que ses prédécesseurs, ainsi que le statut de la religion sont remis en cause par la population. Sans compter la réputation de Marie-Antoinette, qu'on appelle l'Autrichienne, on l'accable de tous les maux. Elle accumulerait les infidélités hétérosexuelles et homosexuelles, elle transmettrait à son pays natal des secrets militaires, elle influencerait un peu trop le roi dans ses décisions politiques et le déficit du royaume serait de sa faute car elle dilapiderait des fortunes colossales pour son train de vie personnel. Ainsi naissent les principes des Lumières. Les philosophes prônent la liberté et l'égalité des hommes et des femmes, mais aussi la séparation des pouvoirs pour le rendre moins autoritaire, ainsi que la séparation entre le gouvernement et l'Église. Ils sont également persuadés que le bonheur personnel s'obtient par l'éducation, la connaissance, ce qui est réservé jusque-là aux nobles.
ainsi que la lutte contre les superstitions et l'obscurantisme. Mais la goutte qui fait déborder le vase, ce sont les mauvaises récoltes de cette année-là et les difficultés d'approvisionnement d'éléments de base tels que le blé. Le gouvernement gère mal l'approvisionnement des villes, la population qui est la seule à payer des impôts se voit encore plus pauvre, les prix s'envolent, le chômage également, les gens meurent de faim et viennent alors demander des comptes au roi. Le 6 octobre 1789, la petite Marie-Thérèse voit le château de son enfance, ce cocon où elle a grandi sans crainte et sans manquer de rien, envahi par une foule ivre de colère. Les gardes royaux vont être massacrés et la famille royale est ramenée de force au château des Tuileries à Paris. On imagine à peine la terreur que cet enfant a ressentie. Le 20 juillet 1791, lors de la fameuse fuite à Varennes de la famille royale, Marie-Thérèse a tout juste 13 ans. Elle va garder le souvenir douloureux d'un retour à Paris escorté par les autorités, sous les huées, insultes et menaces de mort de la population tout le long du chemin. Le 20 juin 1792, le palais des Tuileries est envahi par une foule de citoyens qui forcent son père à coiffer le bonnet phrygien et à prêter serment en faveur de la République. Deux mois plus tard, la foule qui s'introduit dans le palais des Tuileries est décidée à en finir avec la royauté. La famille royale se réfugie en urgence à l'Assemblée. On les déplace alors pour un temps dans le couvent des Feuillades. Ainsi, l'adolescence de Marie-Thérèse est marquée par un sentiment d'insécurité constante, accompagné par la peur de mourir. Suite à tous ces événements, la famille se retrouve enfermée dans la prison du Temple à Paris. Louis XVI est jugé, puis guillotiné le 21 janvier 1793. La veille de son exécution, les adieux sont déchirants. Lorsque Marie-Thérèse entendra de sa cellule la foule se réjouir de la mort de son père, on dit qu'elle aurait crié si fort que les gardes ont cru qu'elle était en train de mourir. Puis les membres de la famille sont séparés. Le petit Louis-Charles, devenu Louis XVII pour la famille, est isolé seul dans une cellule à l'étage du dessous. Il est confié à un précepteur révolutionnaire, Antoine Simon, qui est chargé de le rééduquer et d'en faire un citoyen modèle. Il n'aura plus aucun contact avec sa famille. Finalement, le petit Louis va mourir le 8 juin 1795 dans sa cellule à l'âge de 10 ans. Les causes de sa mort peuvent être attribuées à sa solitude, à son mutisme, à une maladie quelconque, au manque de soins, à la folie ou même à la malnutrition. Marie-Antoinette est transférée à la conciergerie en attente de son procès. Elle sera à son tour exécutée le 16 octobre 1793. Marie-Thérèse reverra une dernière fois son frère au procès de sa mère, quand on tentera de prouver les allégations d'inceste de Marie-Antoinette. Les deux enfants accuseront leur mère sous la pression de leur geôlier. Marie-Thérèse est emprisonnée avec sa tante, Madame Élisabeth, jusqu'à que celle-ci soit aussi guillotinée le 10 mai 1794. Par la suite, la jeune fille de 15 ans restera seule pendant 13 mois, sans parler à qui que ce soit. Marie-Thérèse a peur de ses gardiens qui boivent toute la journée. Elle craint d'être frappée ou violée si elle se fait remarquer. Au total, Marie-Thérèse aura été emprisonnée de ses 13 à 17 ans. Passé le temps, elle écrit sur les murs de sa cellule. Ainsi, on peut y lire « Marie-Thérèse Charlotte est la personne la plus malheureuse du monde. Vive ma bonne mère que j'aime bien et dont je ne peux savoir des nouvelles. Oh mon père, veillez sur moi du haut du ciel. Oh mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. » C'est certainement son fort caractère qui lui a sauvé la vie, ainsi que les conseils de sa tante avant de mourir. Pour ne pas perdre la raison, elle se lève à heure fixe tous les jours, prend le temps de nettoyer sa cellule et s'occupe l'esprit avec des travaux ménagers. Elle garde un minimum de forme physique en marchant très rapidement dans sa cellule. Sa foi a été également une bouée de sauvetage, priant des heures durant en espérant de meilleurs lendemains. Après la mort de Robespierre en juillet 1794, qui avait instauré la terreur et des exécutions à tour de bras, les conditions de détention de Marie-Thérèse s'adoucissent. Ses gardiens deviennent plus prévenants et on lui assigne une dame de compagnie, Madame de Chantraine, que Marie-Thérèse va surnommer Reinette. Après plus d'un an de mutisme, celle-ci lui réapprend à parler et complète son éducation qui s'était stoppée net en 1789. Madame de Chantraine porte également la lourde responsabilité de lui apprendre la mort de sa mère, de son frère et de sa tante. La jeune femme est libérée le 26 décembre 1795. Si Marie-Thérèse n'a pas été exécutée, c'est déjà parce qu'elle n'est encore qu'une adolescente et que cela ne serait pas du meilleur effet au sein de la population. Puis en tant que fille, elle ne peut prétendre au trône réservé aux descendants mâles. Par ailleurs, elle était une bonne monnaie d'échange avec les puissances étrangères. Le roi espagnol réclamera sa cousine, mais finalement c'est l'Autriche, terre natale de sa mère, qui se sent obligée de prendre la jeune fille en charge, en échange de la libération de prisonniers français capturés par l'armée autrichienne. Oh,
Dans un premier temps, Marie-Thérèse quitte la France pour Bâle, en Suisse, avant de rejoindre l'Autriche pendant 3 ans. À son départ, la jeune fille a le cœur lourd. Elle dira « Je suis de France, ne l'oubliez pas ». Elle exprimera le souhait également d'être inhumée auprès de ses parents. Par la suite, elle développe une obsession d'un retour au régime monarchique en France. On veut la marier avec le frère de l'empereur autrichien, l'archiduc Charles Louis, un valeureux officier de l'armée et fervent ennemi de la France. Cela constituerait un mariage avantageux pour Marie-Thérèse, mais celle-ci refuse tout net. Pour son mariage, Marie-Thérèse respectera le choix que ses parents avaient fait pour elle dans son enfance. Sa mère souhaitait qu'elle épouse un Français pour ne pas avoir à subir la même chose qu'elle. Ainsi, sa fille n'aurait pas à être déracinée de sa famille, obligée de s'adapter à une nouvelle culture et une nouvelle langue. Sur la liste des prétendants, le futur roi de Suède, Gustave IV, François Bourbon de Sicile, neveu de Marie-Antoinette, ou le futur duc d'Angoulême, Louis-Antoine, le cousin de Marie-Thérèse. En juin 1799, elle quitte la cour de Vienne pour le château de Millau en Lettonie, grâce à l'appui de l'empereur russe Paul Ier pour pouvoir se marier. Ainsi, elle épouse le 10 juin 1799 Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême, avec la petite idée de donner un héritier légitime pour la royauté française. Même si avec le couronnement de Charles X, elle comprend que ses enfants auraient peu de chances de régner. Le duc d'Angoulême sera le seul homme de sa vie. Au moment de leur mariage, Marie-Thérèse n'a aucun sentiment amoureux pour le jeune homme. Louis-Antoine, quant à lui, a complètement succombé au charme de sa future épouse. Et dans les lettres qu'il échange avec elle, il lui fait part de grandes déclarations d'amour. Finalement, les deux époux se trouveront assez de points communs pour vivre en harmonie pendant 45 ans, mais ils n'auront pas d'enfants. Le comportement de Marie-Thérèse a radicalement changé après la prison du Temple. Elle, qui était si orgueilleuse, capricieuse et qui aimait être le centre de l'attention, devient une femme discrète, presque timide, et à l'image de son père, elle fuit toute représentation publique. Elle fait tout pour ne pas être reconnue. Pendant leur exil, le couple va passer par la Pologne, la Lettonie ou encore l'Angleterre. Après sa libération et son mariage, toute l'existence de Marie-Thérèse est étroitement liée à celle de son oncle, Louis XVIII, lui aussi en exil. Mais celui-ci utilise très largement l'image et l'histoire de sa nièce pour en faire un symbole politique. La martyre de la Révolution, l'orpheline du Temple, celle qui a dû quitter sa terre natale et qui n'a eu de seul tort que de naître princesse de France. Louis XVIII attire les appuis politiques en se servant des tragédies qu'a pu vivre Marie-Thérèse. Le couple d'Angoulême ne revient en France qu'en 1814, après la destitution de Napoléon et le couronnement de Louis XVIII, son oncle. Après la Révolution, les partis royalistes avaient fait de Marie-Thérèse un symbole, la seule survivante de la famille royale, et l'avaient idéalisée. Quand elle revient dans les salons mondains parisiens, elle ne parle que des horreurs qu'elle a vécues avec sa famille. Elle a beaucoup changé et les rumeurs commencent à courir. La femme qui est revenue ne peut être Marie-Thérèse. On parle alors de substitution. La vraie orpheline du Temple se cacherait en Allemagne sous le nom de Comtesse des Ténèbres. Et celle qui est revenue à Paris serait la fille du peuple avec qui elle a grandi, Marie-Philippine Lambriquet. Lors du retour de Napoléon pendant les 100 jours, en 1815, les Bourbons doivent encore s'exiler. Toutefois, Marie-Thérèse sera la seule à résister et à s'opposer à l'empereur, au point qu'il dira d'elle qu'elle est le seul homme de la famille des Bourbons. En effet, à cette époque, le couple vit dans la région de Bordeaux. Et elle n'a pas l'intention de se laisser impressionner par Napoléon. Marie-Thérèse écrit des dépêches pour garder la population de son côté, engage des volontaires, passe en revue les régiments et remotive les troupes. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant et devant l'arrivée imminente de Napoléon, elle doit fuir dans l'urgence et embarquer sur un navire pour l'Angleterre. En 1820, son beau-frère, le duc de Berry, est assassiné, laissant derrière lui 2 jeunes filles illégitimes. Après la fuite de leur mère, Marie-Thérèse s'occupera d'eux, telle une mère aimante. À la mort de son oncle, Louis XVIII, le 16 septembre 1824, c'est son autre oncle, le comte d'Artois, qui prend sa place sur le trône sous le nom de Charles X, à l'âge de 67 ans. Marie-Thérèse devient alors la dernière dauphine de France. En 1830, Charles X est contraint d'abdiquer et de laisser sa place à son cousin, Louis-Philippe d'Orléans, qui régnera sous le nom de Louis-Philippe Ier, ou roi des Français. Entre l'abdication du roi et l'investiture de son successeur, le trône de France reste vide pendant 20 minutes. Mais comme la France se doit d'avoir un gouvernant, pendant ce laps de temps, Marie-Thérèse est donc nommée reine de France et son mari Louis XIX. Le 3 juin 1844, Marie-Thérèse perd son plus fidèle soutien, son mari, qui meurt en Autriche.
À son tour, elle meurt le 19 octobre 1851 d'une pneumonie à 72 ans chez son neveu au château de Frohsdorf en Autriche. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi la vie de Marie-Thérèse, la petite orpheline du temple. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre personnage oublié.